Je viens de croiser un rageux. Waouh, un rageux. Alors, il dit, mec, tu peux arrêter YouTube. Donc moi, je lui dis, déjà, je te connais pas. Et pourquoi t'arrêterais YouTube? J'arrêterais YouTube. Et l'autre con, il me répond, le guilleur du paracord, parce que tes vidéos, c'est de la merde. Puis t'as même, avec même pas 50 abonnés. Waouh, j'ai fait mieux. Puis t'as l'air de vraiment d'avoir pas d'amis. Va voir mon oncle cochon, il va te faire des cadeaux. Alors, si tu vois cette vidéo, Alexis Bélan, déjà, ton pseudo, c'est de la merde. Mais en plus, tes commentaires, c'est de la merde. Et attends, on va voir ta chaîne. Parce que tu dis que ma chaîne, elle est pas cool, mais. Ah ouais, toi non plus, c'est pas, ça a pas l'air ouf. Tu sais quoi, je m'en fous de tes commentaires. Je continue YouTube. Que ça te plaise ou non. Et puis, bah, si t'es pas content, bah, dégage de la chaîne YouTube. De la chaîne YouTube. Et puis, voilà quoi. Tu veux que je dise quoi d'autre aussi? Dis con. Ok, je fais pas des vidéos de ouf. Je le sais. Mais de là à me dire que mes vidéos, c'est de la merde. Mais alors là, mes mecs, mais j'ai envie de te fracasser la gueule, tu sais même pas comment alors. Ferme ta grosse bouche et ne me parle pas si t'as pas envie. Si t'as pas envie, si tu détestes ma chaîne, alors pourquoi tu dégages pas? Hein? Réponds-moi, Alexis Bélan, pourquoi tu dégages pas de ma chaîne YouTube si t'aimes pas? Vraiment, les rageuses. Les rageuses sont vraiment cons parfois. Mais alors là, dude, tu peux arrêter YouTube. Mais là, c'est, on a atteint un sommet. Mais vous imaginez même pas. Donc, monsieur Alexis Bélan, tu peux fermer ta grosse bouche, éventuellement, et dégager de la chaîne YouTube. Merci, au revoir. J'avais besoin de faire cette vidéo pour dire...